Good morgen, allez, Yiden les trois jours du Lelunishmat avant Madraï Ben Yitzhak, Befani, David Ben Fortuna, Mazal Ritna et Dvora Bat Esther. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Misha, contactez 5 minutes éternelles. Nous sessions Maserhet Ktuvot, Perekret, Mishnah Aleph. Aisha, Shenaflula, Nechassim, Ad Shalotit, Ares, Modim, Bet Shamay, ou Bet Hillel, Shemocheret, Venotenet, Vekayam, Naflula, Mishenit, Arsa, בית שמאי אומרים תמכור, ובית הלל אומרים לא תמכור, אלו ואלו מודים, שמכרה ונתנה קיים. אמר רבי יהודה, אמרו לפני רבן גמליאל, הואיל וזכה באישה על מסגב הנכסים, אמר להם, על החדשים אנו בושים, אלא שאתם מגלגלים אליו את הישנים. מוסרת לה פרולמוס כסרס, אלא ממשוז בקנות פורמה, וג'ק ספיקית כספס לטווית, האישה שנפלו לה נכסים עד שלא תתארס. הפרזנט, on va prendre un nouveau tournant dans la Maseret Ktuvot. On va s'intéresser aux biens que le mari, que la femme fait entrer à la maison, qui lui appartiennent, les Nirsé Milog, ça s'appelle. Ça reste la possession de la femme. Et le mari, il a un droit de les exploiter. Sans user le capital, juste, il l'utilise, il investit, il fait ce qu'il veut, il tire dedans des fruits. C'est lui, c'est pour lui. Ça va être à peu près le sujet du chapitre. D'accord? Et là, on va commencer avec tout d'abord. Aisha Shenaflola Nechassim, une femme qui a eu des biens qui lui sont tombés en héritage, par exemple. Ouais, il était marié, puis il y a l'arrière-grand-mère qui est partie, et elle n'avait plus laissé d'héritier, si ce n'est que sa femme. Il vient de toucher un petit million. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, la Mishnah va dire comme ça. Et la problématique de la Mishnah, c'est simple. Peut-être que d'abord, on va plus s'introduire. On va parler que moi, ma femme, si elle touche un million de son arrière-grand-mère, eh bien, j'ai le droit d'exploiter. Qu'est-ce qui se passe si ma femme va vendre ce bien? Elle va me retirer son droit. Est-ce que je pourrais m'opposer à cette vente? C'est la problématique, et sur ça, on va différencier trois périodes qui vont faire, en fait, nous amener à plusieurs situations. Il y a la période avant qu'elle se fiance. Et aujourd'hui, elle est fiancée ou mariée. Il y a des biens qui lui sont tombés quand elle était déjà fiancée, et les biens quand elle était déjà mariée. Je rappelle, fiancée, ça signifie qu'on a donné les kiddushin. Ça est devenu ma femme du point de vue de la Torah, mais je ne vis pas encore avec elle. Si je ne vis pas avec elle, je ne mérite pas pour le moment. Je n'ai pas le droit encore d'exploiter ces biens. Il n'y a pas de chiyuv ktuba tant qu'on n'est pas passé sous la choupa pour ensuite vivre ensemble. Alors commence l'histoire de la ktuba. Maintenant, la femme, je l'ai déjà acquise pour le moment après fiançailles. Je l'ai déjà acquise, c'est ma femme. Et si jamais j'aboutis avec elle, que je veux continuer jusqu'à la choupa et me marier avec elle, tous les biens qu'elle a, ça va devenir ma propriété. Donc du coup, elle, ce qu'elle fait maintenant, on va parler d'une femme qui va vendre les biens qu'elle a sur son héritage, et selon le cas, on va différencier si c'est des biens qui lui sont tombés avant qu'elle se fiance, entre les fiançailles, la choupa, et le mariage, les nisouin, et après la choupa, après les nisouin. D'accord? Et à chaque fois, en fait, on va s'intéresser, si elle a eu des biens avant qu'elle a vendu pendant qu'elle était fiancée, ou qu'elle a vendu pendant qu'elle était mariée, ou encore des biens qui lui sont tombés quand elle était fiancée, qu'elle a revendu tout de suite, ou qu'elle a revendu quand elle était mariée, d'accord? Et voilà, on a déjà présenté toutes les situations de la Mishnah. Maintenant, on va voir ça dans les mots, qu'est-ce qu'on fait? Aisha shenaflula nechassim ad shelo titares. Une femme qui a eu des biens qui lui sont tombés en héritage, ad shelo titares, tant qu'elle n'était pas encore fiancée. Et en fait, il manque le mot-clé, mais ça veut dire qu'elle s'est fiancée juste ensuite, et qu'après, elle a envie de vendre ce bien. Modim bet shamay ou bet hilel shemochret benotenet ukayam. Bet Shamay et Bet Hillel sont tous les deux d'accord qu'en l'état, pour le moment, la femme peut vendre, mocheret, vendre ou donner les biens si elle veut même après fiançailles. Vekayam, et ce qu'elle fait, c'est maintenu, le mari ne peut pas s'opposer. Étant donné que c'est les biens qui sont tombés tant que ça appartenait à la femme, et que la femme, elle les revend avant que le mari reçoive le droit d'exploitation dessus, alors elle peut les vendre à même a priori. Par contre, Naflula Mishenit Arsa, si une fois qu'elle s'est fiancée, alors, pendant qu'elle était fiancée, elle reçoit des biens. Pour ça, Bet Shamay Omrim Timkor, ou Bet Hillel Omrim Lo Timkor. Bet Shamay va nous dire, si elle veut, elle peut même continuer à les vendre. C'est-à-dire qu'elle est fiancée, tant qu'elle n'est pas mariée, le mari n'a pas de droit sur les biens. Et Bet Hillel vient et nous dit, non, il y a un interdit, mais malgré tout, Elu Velu Modim Shim Machra, Venatna Akayam, malgré tout, même Bet Hillel reconnaît que, si toutefois, la femme, elle les a vendus après, sur les biens qui sont tombés après son fiançailles, pendant qu'elle est encore fiancée, a posteriori, la mechira est validée. Voilà la fin de la première partie pour le moment, et on va encore une fois répéter le cas, parce que maintenant, on a traduit ça dans les mots, on a bien compris,
On parle d'une femme pour le moment, on n'a pas parlé de la phase mariage. C'est pas le sujet de notre Mishnah, pour le moment. Nous, on s'intéresse, on a dit, avant fiançailles et après, entre le fiançailles et le mariage. Et entre le fiançailles et le mariage, alors, il ressort comme ça. Les biens que la femme, elle reçoit pendant qu'elle est fiancée, pour les revendre tout de suite, on est tous d'accord qu'à posteriori, si elle les a revendus, ça marche. Il y a malgré tout une marque de Bachamé Betel, est-ce qu'a priori, elle a le droit de les revendre? Par contre, les biens qu'elle avait d'avant, avant de se fiancer, et que maintenant elle s'est fiancée, là, le mari n'a pas de droit pour le moment sur elle. En fait, la seule situation de marque pendant entre Bachamé Betel, c'est les biens qui lui sont tombés quand elle était fiancée, qu'elle revend tout de suite pendant qu'elle est fiancée. La problématique, c'est quoi? C'est que pour le moment, c'est pas encore ma femme pour que tu puisses exploiter ses biens. Mais, logiquement, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est fiancé? On continue, on va se marier, non? Alors, si on va se marier, ça signifie que maintenant, le bien que j'ai acheté, que j'ai acquis, c'est la femme. Dans quelques temps, ça va sortir concrètement que je vais pouvoir en profiter. C'est là la marloquette. Est-ce qu'elle peut, malgré tout, maintenant me contourner, en fait, en vendant les biens avant que je me marie avec elle, puis ce qu'elle a fait, ça marchera. Est-ce qu'elle a le droit de le faire, a priori? A posteriori, ce sera l'okinian, il sera quand même validé. Mais est-ce qu'a priori, elle a le droit de le faire? D'accord? Ok. Amar Yehuda, Rabbi Yehuda vient nous raconte que sur ce cas-là, il y a eu un petit dialogue entre Rabban Gamliel et les Rabbanim. Que quoi, Amrou les finir Rabban Gamliel, ils ont dit, les Rabbanim devant Rabban Gamliel, Oil Vezacha Baisha lo Izke Banichasim. Il y a alors une question relativement floue, d'accord? Et en fait, ils nous disent, en fait, ils viennent poser la question. Ouais, c'est ça, ils viennent poser la question. Sur le, vous vous rappelez, on avait dit juste avant que tout le monde est d'accord qu'à posteriori, si elle a rendu les biens qu'elle a reçus en héritage après fiançailles, tout le monde est d'accord qu'à posteriori, la vente, elle sera quand même validée, le mari ne pourra pas l'annuler. Alors il pose une question, il dit, je comprends pas, Oil Vezacha Baisha, puisqu'en fait, il a acquis la femme. La femme, c'est son potentiel, c'est vrai qu'il ne vit pas encore avec elle, mais que c'est son potentiel, c'est devenu son bien. Alors quoi, Loïs Keben Chassim, il n'aura pas un droit sur les biens qu'elle va recevoir, bien évidemment qu'il devrait avoir ce droit sur eux. Et sur ça, il leur a répondu, Rabban Gamliel Amar Lahen, il leur a rétorqué, Ala Chadashim Anoboshim, Ela Shatem, Megal Galim, Alenu, Eta Yeshanim. Nous, on a un problème que, Bichlal, sur les biens que la femme veut vendre alors que ça lui appartient, qu'on soit clair, on parle. En deux mots, il vient leur dire, oh là là, vous ne comprenez pas cette halakha? Moi, toute la je comprends à l'envers. Vous plaignez. Les Talmidim, vous venez, vous plaignez, vous me dites, mais il faudrait annuler la vente, parce que la femme, c'est devenu la propriété du mari. Lui, il aurait tort, il le dit, mais quand la femme, c'est complètement la propriété du mari, je comprends même pas cette halakha en théorie. Pourquoi le mari, il aurait le droit de récupérer les biens? En fait, qu'on soit clair, les biens, ils appartiennent à la femme. Ma femme a reçu un héritage de 1 million de dollars de l'arrière-grand-mère, ou d'euros. Maintenant, ça lui appartient à elle, ça m'appartient pas à moi. Peut-être que je peux avoir un petit droit d'exploiter, mais si elle a décidé finalement de le vendre, alors pourquoi, comment je pourrais avoir gardé mon emprise sur ces biens? C'est ce qu'il va leur dire à Ben Gamliel, leur dit à l'envers. Vous posez des questions, vous dites, mais je comprends pas, une fois que la femme, elle a déjà été fiancée, c'est devenu le bien du mari, mais il n'y a aucune raison que le mari reçoive ces biens-là. Au contraire, à la Rishonim, à Nanoumistarim, sur le premier, on se désole déjà. Pourquoi Khachamim nous ont instauré une chose pareille? Que le mari, il a un pouvoir tellement fort sur les biens qu'il pourra annuler une vente. Ça, c'est j'ai déjà un problème quand elle est franchement fiancée et mariée. Alors, et toi, tu me poses des questions, pourquoi les biens qu'elle a reçus pendant qu'elle était fiancée, qu'elle ne peut pas les revendre? D'accord? C'est clair. En deux mots, en fait, on retient juste que, concrètement, pour le moment, la femme qui hérite des biens, elle n'a plus le droit de revendre ses biens. Étant donné que, maintenant, concrètement, Khachamim ont renforcé le pouvoir, le droit du mari sur les biens, en disant, c'est vrai que le capital, il reste le sien. On ne discute pas sur ça. Mais malgré tout, le droit d'exploitation, c'est le tien, et elle ne peut plus te supprimer, elle ne peut plus le vendre à quelqu'un d'autre, et toi, tu te retrouves sans rien, tu vas, tu fais annuler la vente, et tu lui fais récupérer à la femme. D'accord? Voilà ce qu'on tient pour le moment. Et voilà. Donc, et toi, tu retires, mais pour le moment, c'est que quand tu les as vendus, quand tu étais fiancé. Par contre, si la femme, elle était mariée, et qu'elle a reçu des biens, alors là, elle ne peut plus contourner le mari. Pour le moment, selon cet avis. Ok? Nouvelle situation. Nafloula Mishenisset. Les biens lui sont tombés lorsqu'elle était déjà mariée. Et l'ouvelo modim shimacha venatna shabal motiva del kuchot. Tout le monde est d'accord. Bacham et Batil, elles sont tous d'accord que les biens qu'elle a hérités quand elle était déjà mariée, le mari va et les fait sortir. En fait, les Chachamim ont renforcé le droit du mari sur les biens.
très fortement, ils l'ont rendu comme si qu'ils avaient déjà acquis, en fait. Ok. Maintenant, Al-Shelonisset, Veniset. Maintenant, si elle a reçu des biens, on parle maintenant. Jusqu'à maintenant, on a parlé de la situation 1 et 2, qu'elle a reçu les biens en 1 et qu'elle les a vendus en 2, ou qu'elle a hérité quand elle était en 2 et elle les a rendus en 2. Maintenant, on va s'intéresser entre 2 et 3. La Mishnah commence à nous dire d'abord, si elle hérite des biens quand elle est déjà en 3, ça veut dire qu'elle est déjà mariée complètement, et qu'elle reçoit les biens, elle vend, le mari va annuler cette vente, va faire annuler cette vente. Maintenant, on va s'intéresser, qu'est-ce qui se passe si elle a reçu des biens en héritage quand elle était fiancée, et qu'après qu'elle s'est mariée, elle les revend. Alors, la Mishnah commence à nous dire comme ça, Naflola Mishnah, d'abord, si elle a eu des biens qui lui sont tombés quand elle était déjà mariée, après les Nisouin, et nous allons dire, Mishnah, Machavenatna, Shabal, Motsim, Adalekuchot. Tout le monde est d'accord, Khamim et Beth Shammai comme Beth Hillel sont tous d'accord que si elle a vendu les biens, le mari va et récupère les biens. Par contre, Ad Shelonisset Veniset, si elle a reçu des biens, elle a hérité des biens, Ad Shelonisset, tant qu'elle n'a pas encore été mariée, elle n'a pas encore fait la choupa, elle était juste à la fiançaille, Veniset, elle s'est mariée après coup. Sur ça, on a Rabban Gamliel Omer. Rabban Gamliel nous dit, Im Machra Venatna Kayam, a posteriori, si elle les vend, la vente elle est validée. Amar Rabbi Hanina ben Akiva. Rabbi Hanina ben Akiva, il a posé une question à Rabban Gamliel. Amrou l'ifne Rabban Gamliel. Il vient nous raconter. Amrou l'ifne Rabban Gamliel, il nous dit que on avait posé, ensuite les Talmidim m'avaient posé des questions à Rabban Gamliel en lui disant oui, le Vezacha Baïcha, l'Oizke ben Chassim. Puisqu'elle a déjà eu la femme, c'est devenu son bien, puisqu'on parle d'une femme qui était déjà fiancée. Si elle était fiancée, c'était mon bien, je l'ai acquise. Alors quoi, si elle se marie ensuite, alors. Loïske Bani Khassim, je ne veux pas forcément hériter de ses biens. Tout ce que la femme a là, ça m'appartient. Amar Laim, il leur a torqué Rabban Gamliel. Il leur a dit comme ça, non. Alachadashim, Anuboshim, Elachatem, Egalgelim, Alenouat, Eishanim. Il leur a torqué le même principe que la question précédente, que le cas précédent. C'est qu'en fait, il leur dit, non, même quand elle est déjà mariée et qu'elle revend ses biens, j'ai du mal à comprendre cette alacha. Cette alakha ne peut que s'expliquer si on dit que Khamim a instauré très fortement que le mari a un droit sur le bien de la femme. Mais ce n'était pas au point que maintenant vous n'allez même plus comprendre par rapport au bien qu'elle a reçu quand elle était encore fiancée, qu'elle décide de quand elle était mariée. Ça c'est sûr qu'à posteriori, il faudra valider la vente. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Sakhagol.